c'est qui se fait grêler le camion une deuxième fois? Oh. Pupitre et les arbres sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. C'est Atibissa disponible sans apport et sans engagement à partir de 179 euros par mois. Pas de toi, ça. Suis, surtout la fin. Découvrez l'offre Cœur des gens des portes ouvertes du 17 et 18 septembre. C'est Atibissa Compact, pays 80 chevaux, remise de 4000 euros déduite, LL du 37 mois et 30 000 km sous condition d'acceptation par vous. Allez les amis, je viens de charger une deuxième ramasse là. Et là on est parti direction Lyon. On va aller livrer ça foulé, le premier foulé. Donc là je suis à 2h et quelques, donc ça va aller. Et une fois que j'ai visé celui-là, je rappelle Vincent pour... il a peut-être un truc à me faire à ramasser pour après, donc je sais pas. Peut-être pour redescendre après, j'en sais rien. On va voir. Déjà, on va redescendre. Ah oui, pour ceux qui ont vu sur Instagram, j'ai pris encore la grêle cette nuit quand même. C'est un truc de fou, quoi. Donc le camion, il est un peu marqué, mais franchement, il n'y a pas grand. Allez, s'il y a 4-5 impacts de plus, que j'ai vu. Hein. Après, je vais vous dire, hein, j'ai pas non plus trop regardé plus que ça. Que, de toute façon, il passe en carrosserie. Mais effectivement, quoi, la poisse avec ce camion, quoi. Comment tu peux prendre deux fois la grêle en deux mois, un corbeau et une palette en six mois, hein, tout ça quand même. Hein. Quatre pets en six mois. Je dis, c'est incroyable quoi. Mais bon, c'est comme ça. Là, il y a un beau soleil. J'ai vu qu'à Gap, il y avait eu un gros orage de grêle aussi à Gap. Bah là on n'en était pas là, mais bon, ce qui me faisait le plus peur, c'est, je sais pas si vous avez vu, vous voyez sur la vidéo d'avant, mais c'est que je suis garé sous des arbres, parce que tout simplement il faisait chaud, donc il y avait encore le soleil. Je dis bah on va se garer sous les arbres quoi. Ouais, sauf que bah, quand il y a de l'orage, garer sous les arbres c'est pas la bonne idée quoi. Mais bon, j'ai eu un peu peur qu'il y ait une branche qui tombe sur un camion surtout, mais c'est pas arrivé heureusement. Et puis voilà, donc là direction le Puy-en-Velay, là je suis perdu dans les Birches là.
Là, on retourne sur le Puy-en-Velay Saint-Étienne et Saint-Étienne-Lyon, tout simplement. Avec des magnifiques paysages, quoi. C'est ça que j'aime dans ce boulot, c'est les paysages, c'est ça, voilà. Parce que faire tous les jours la même route, à la même heure, croiser des dés au même endroit, et ben moi ça m'intéresse pas. C'est ça que j'aime. Voilà. Après, chacun les goûts, les couleurs. En même temps, il y en faut pour tout le monde, j'ai envie de dire, mais franchement, voilà. Quand même magnifique, hein. La France est vraiment magnifique comme pays. Hein. On a des coins. Voilà, une blanche. Voilà, voilà. Allez, je reprends, bref. Absolument structurant. S'il fait très froid, les Français se chauffent beaucoup et ça consomme beaucoup. Et puis il y a aussi le paramètre du vent en France, mais aussi dans les autres pays d'Europe. Parce qu'on a de plus en plus d'éoliennes et ça, c'est un grand paramètre pour la sécurité d'approvisionnement. Et donc, on estime qu'à 3 jours, on a une suffisamment bonne vision météo pour être précis. Et pour dire aux Français, dans 3 jours, attention, on est en écovoite rouge. Si vous ne faites pas des gestes massifs, il peut y avoir des coupures. Donc maintenant, c'est à vous de jouer les Français. Et quand je dis et quand je parle des Français, c'est pas que les ménages. Non, mais alors, c'est à vous de jouer les Français. On prend les dossiers un par un. Chaque geste compte, nous dit-on, mais précisément, sur quoi pouvons-nous économiser au quotidien? On commence par les foyers et ensuite, bien entendu, on ira voir du côté des entreprises. Surtout des entreprises, j'insiste. En fait, pour les entreprises et pour les particuliers, il y a 3 gros postes de consommation sur lesquels on peut jouer. Le premier, pendant l'hiver, c'est le chauffage. Il faut qu'on fasse attention au chauffage. Dans les entreprises, il ne faut pas chauffer le matin, lors du plateau du matin, là où ça commence à être assez tendu, de 8h à 13h. Vous pouvez chauffer vos locaux de 5 à 7 heures, et puis après, baisser la puissance. Chez vous, c'est pareil. Les chiffres, il dépasse pas 19, c'est ça? Alors de manière. Et je vois des déviations, quoi. Voilà. Et une déviation sur la route qui fait le Puy-en-Velay Saint-Etienne. La route est fermée, donc déviation par les petits bleds comme avant, quoi. Faire passer autant de camions ici, les gens doivent être contents, quoi.
mais les paysages sont magnifiques. Quand même expliquer aux gens que ça sert à rien de coller au cul. L'autre avec le Renault T depuis tout à l'heure, il me colle au cul là, j'accélère exprès, mais de toute façon ça sert à rien, il va pas doubler, donc pourquoi coller au cul comme ça? Et là ça va, hein, parce que j'ai accéléré, sinon il est dans mes portes, hein. Et ça j'arrive pas à comprendre à quoi ça sert, mais bon, voilà, voilà. Donc là, vu qu'il colle au cul, bah plus il colle au cul, moins j'avance, hein. C'est du n'importe quoi, putain. Distance de sécurité, il n'y a qu'à avoir un truc qui traverse, tu piles, l'autre il est dans tes portes. Alors autant moi il y a des trucs que je respecte pas trop, mais ça je vous l'ai déjà dit, hein, la distance de sécurité, il n'y a bien que ça que je respecte. Hein. Enfin, que je respecte entre guillemets, je veux dire. Hein. Je suis pas irréprochable, mais je suis quand même pas trop mauvais normalement là-dessus. Hein. Ça sert à rien quoi, de coller au cul pour faire quoi? Rien. Faut les mecs réfléchissent pas des fois. S'arrêter puis dire t'espères faire quoi, passer par dessus, dessous, explique moi parce que je comprends pas quoi. Mais bon, c'est pas comme si tous les jours sur Facebook tu voyais des accidents de camion dus aux distances de sécurité, hein. Qui roulait plus vite pour faire quoi? Devant il y a un camping car, de toute façon le camping car il va pas rouler non plus, hein. Voilà, il y a un autre camion. Donc il va toujours pas doubler, hein. C'est magnifique la petite maison, hein. Franchement les paysages c'est quand même magnifique quoi. Magnifique dessus, magnifique. Bon je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir rechoper la N88, mais ça serait quand même pas mal, hein. Voyez dans le rétro, on va pas tarder plus le voir, hein, tellement il est prêt. Hein. Décale, il vient des bagnoles en face. Voilà. Vous n'avez pas vu, mais dans le rétro droite, je l'ai vu en fait. Il s'est décalé parce qu'il arrive comme un con, il est surpris par le virage, donc il donne un coup de volant. Donc il se déporte en face et en face, bah, il vient de voiture. Allez, ce qui est vu qu'il est tellement prêt, il ne peut pas anticiper les virages. Vu qu'il ne les voit pas. Il voit que mes portes. Ça, c'est le genre de comportement qui m'agace.
finir par m'arrêter, je crois.
l'impression que le camion, il y a un camion à droite qui est en panne. Ah bah c'est pas, j'ai l'impression, c'est qu'il y a un camion en panne en fait. Putain, sur un pont, alors mon gars. Je sais bien que t'as pas choisi ton endroit pour ton en panne, mais... Chercher l'intrus, hein, les gars, quand même. Hein. Comment faire pour qu'il soit bon et équilibré? Allez livrer la Steph en bâché. Les mecs, ils disent oh, qu'est-ce que tu fous là? Ben, je viens livrer. Et en fait, c'est des palettes qui partent à l'international, c'est pour ça que c'est en. À l'international, mais en... ça part en frais, ça craint rien en fait. Mais vu que c'est de l'alimentaire, ils font partir avec des lots à eux. Il m'a dit 32 normalement. Il n'y a rien de bien que 20... 30, d'accord, c'est de l'autre côté alors. Ah merde. Ça va être 31 32 entre les deux. Chier ça. Voilà, ça va mieux quand tu veux.
Ça y est les amis, j'ai vidé le premier à Saint-Genis-Laval et là on est parti vider le deuxième dans le 01 tout simplement. Donc ça va le faire. Il est midi. Voili, voilou. C'est un peu le bordel là, à Saint-Genis-Laval pour sortir la circulation. C'est midi en même temps forcément. Mais bon, ça va le faire. Allez. Les gens qui s'inventent un code de la route, là. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait. Vous voyez, lui sort par le mauvais côté, et puis là, il va couper la ligne blanche. Et là, c'est une ligne blanche. Normalement, tu dois sortir, faire le tour du rond-point et revenir. Alors, quand on perd 3 points, quoi. J'aime pas du tout ce pont. Il fait tout le temps horreur. Normalement ça passe, mais... En fait, je sais que ça passe, mais je flippe quand même. D'ailleurs, je suis en position basse, un tracteur, hein, juste... Basse, plus basse quoi. Vu que j'ai le tableau de bord moi en fait. Allez, on va arriver chez mon client là. J'étais venu charger une fois là, j'étais venu charger, mais là je viens vider. Oh, il y a des jolis camions de 4 par contre. C'est là, ça va être sympa à vider encore ça.